et emploi, et enfin les questions-réponses avec les prochains webinaires à venir. Merci à tous. Je laisse la parole à Christine. Bon webinaire. Alors, premier chapitre de cette présentation, un petit rappel de ce qu'est le diagnostic PMD, de quoi s'agit-il, et ben pour savoir à peu près où vous en êtes, nous vous proposons un premier sondage. Avez-vous pris connaissance des textes publiés concernant le diagnostic PMD? Donc, allez-y, je vous laisse répondre au petit sondage. Alors, non, pas du tout, 53%, oui en partie, 44%, et oui en totalité, 2%. Alors, quelque part, ces résultats ne sont pas vraiment étonnants, puisque comme on aura l'occasion de l'évoquer par la suite, le diagnostic PEMD, c'est un dispositif qui est relativement récent et qui en est encore au stade du démarrage de la prestation. Alors, pour resituer le contexte réglementaire, il faut se remettre dans la loi AGEC de février 2020, loi anti-gaspillage et pour l'économie circulaire, qui a fixé les grands principes dans lesquels va s'inscrire le diagnostic PEMD. Alors, pourquoi un diagnostic PEMD? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes confrontés à une très grosse problématique de gestion des déchets et de raréfaction des ressources. Quelques chiffres pour vous donner l'impact global du secteur de la construction dans l'environnement. Les entreprises vont produire 72 millions de tonnes de déchets, les ménages 39 millions de tonnes et la construction, le secteur de la construction, 240 millions de tonnes de déchets. Ces déchets vont se répartir de la façon suivante, suivant la typologie de chantier. 51% dans les opérations de démolition, 36% pour les rénovations et 13% pour les constructions neuves. Le diagnostic PMD, ça a été d'abord deux décrets en date du 25 juin 2021, le premier qui a fixé la définition du diag PMD, le second qui a défini les compétences des personnes qui pouvaient le réaliser, et tout ça a été recodifié dans un décret du 30 juin 2021. Il a ensuite fallu attendre l'arrêté du 26 mars 2023 qui a fixé le point de départ de l'obligation de réaliser un diagnostic PMD, qui a été donc le 1er juillet 2023. Donc, comme je vous le disais, c'est un dispositif qui est relativement récent, puisqu'il n'est en place officiellement que depuis un an. Il est venu remplacer le diagnostic déchets, diagnostic déchets qui n'existe plus donc à l'heure actuelle. Alors, les trois piliers de la loi AGEC qui vont être repris donc dans ce diagnostic PMD, c'est tout d'abord trois piliers qui ont vocation à diminuer donc cette quantité de déchets qui est produite. Tout d'abord, le réemploi. Alors, le réemploi, la définition, c'est toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets vont être utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus. Donc, il n'y a pas de classification de déchets, il n'y a pas de changement d'usage. Une porte va être réutilisée à l'identique comme une porte, donc même usage d'origine. Si on ne peut pas faire de réemploi, on va essayer de réutiliser le PEM. Là, pour le coup, la réutilisation, c'est toute opération par laquelle les substances, matières ou produits qui sont, pour le coup, devenus des déchets vont être utilisés de nouveau, mais avec un changement d'usage. En l'occurrence, ma porte, eh bien, je ne peux pas la réemployer comme une porte, je vais la réutiliser comme une table, une étagère. Autre moyen d'éviter le déchet, le recyclage. Le recyclage, c'est l'opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, vont être retraités en substances, matières, aux produits, aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Ma porte, je vais la démantibuler, je vais la broyer. Avec le résultat de ce broyage, je vais à nouveau fabriquer une chaise.
recyclage, donc où on va valoriser soit sous la forme d'une valorisation matière ou sous la forme d'une valorisation énergétique. Donc le PMMD a vocation à mettre en valeur donc ces les trois piliers de la loi AGEC. Alors, qui va être concerné? Quelles sont les cibles du diagnostic PMMD? Alors, les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les constructeurs et promoteurs, et bien sûr, les entreprises du bâtiment dans les opérations de démolition ou de rénovation significative, notamment avec certaines entreprises qui vont se spécialiser dans ce qu'on appelle la dépose sélective, la dépose préservante ou autre type. Quels sont les bâtiments concernés? Donc, les bâtiments qui vont être l'objet de démolition ou rénovation significative, bâtiments dont la surface cumulée de plancher de l'ensemble des bâtiments concernés est supérieure à 1000 m². On parle bien de surface cumulée, c'est-à-dire qu'on va prendre les surfaces au stade d'une opération. On ne va pas prendre les bâtiments individuellement, mais l'ensemble des surfaces des bâtiments concernés. Si vous avez 10 maisons, 200 m² ou 120 m², elles seront concernées puisque au total, vous serez bien au-delà des 1000 m². Autre cas de figure, la démolition ou la rénovation significative va concerner un bâtiment ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale, ayant utilisé, stocké, fabriqué ou distribué des substances dangereuses, et ce, quelle que soit la surface. On donne souvent l'exemple des pressings où, par exemple, un bâtiment dans lequel, même s'il ne fait pas 1000 m², qui aurait accueilli ce type d'activité, pourrait être concerné par un diagnostic PMD dans la mesure où, dans l'activité du pressing, on aurait utilisé du polychloroéthylène, enfin, en tout cas, une substance dangereuse. Quelles sont les opérations concernées? Comme on vient de le voir, on va viser les démolitions. La démolition, c'est l'opération qui consiste donc à démolir plus de la moitié de la surface de plancher des bâtiments concernés, ou les rénovations significatives. Dans le cadre d'une rénovation significative, on va démolir ou remplacer plus de la moitié d'au moins deux des éléments de seconde œuvre suivants: plancher, cloisons intérieures ou extérieures, huisserie extérieure, installation sanitaire de plomberie, installation électrique et système de chauffage. Alors, toujours dans le contexte réglementaire, à quel moment faut-il réaliser le diagnostic PMMD? Donc, cette obligation de diagnostic PMMD, elle est applicable depuis le 1er juillet 2023 et le diagnostic doit être réalisé préalablement au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme si l'opération y est soumise, donc demande de permis de construire, déclaration préalable de travaux, permis d'aménager ou permis de démolir. Si vous n'êtes pas dans le contexte d'une demande d'autorisation d'urbanisme, il faudra réaliser le PMD préalablement au dépôt de la demande, préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés de travaux. Qui va pouvoir réaliser ce diagnostic PMD? Un diagnostiqueur qui doit être indépendant vis-à-vis de l'entreprise de travaux et du maître d'ouvrage. Il doit être couvert par une assurance et présenter certains critères de compétence. Le décret a été assez large quant aux critères de compétence, puisque contrairement au dispositif qui est en place pour les diagnostics amiante ou plomb, il n'y a pas d'obligation d'être certifié. Donc, le diagnostiqueur, il va devoir justifier de sa compétence, mais pas forcément par le biais d'une certification. Ça peut être aussi lié à son expérience professionnelle, par exemple. Par contre, le maître d'ouvrage doit être en mesure de justifier de ses compétences et de son assurance si jamais l'administration vient à le lui demander. Alors, comment va se dérouler cette mission de diagnostic PMMD? On va identifier plusieurs étapes. La première étape qui est souvent, je ne vais pas dire négligée, mais qu'on ne valorise pas toujours à sa juste valeur,
c'est l'étape de préparation, en fait, où le diagnostiqueur, il va récolter un maximum d'informations pour préparer sa mission, notamment tout ce qui concerne le contexte et la description du projet, la volonté du maître d'ouvrage. Est-ce que le maître d'ouvrage a déjà identifié des objectifs de réemploi sur site, hors site, ou pas du tout? Quel est le contexte géographique du projet? Est-ce qu'on a la place pour faire circuler des camions, pour installer des bennes? Les ressources documentaires, est-ce que si le bâtiment a été construit avant 1997, par exemple, est-ce que le diagnostic amiante a été réalisé et finalisé? Est-ce qu'il y a eu un repérage également plomb? Est-ce qu'il y a eu du thermite? Est-ce qu'on a à disposition des plans? Est-ce qu'on a déjà le projet, le CCTP des travaux, etc. Donc, toute cette phase de récolte documentaire est très importante pour que le diagnostiqueur puisse préparer sa mission. Également, un point important, les accès. Est-ce que tous les locaux seront accessibles? Est-ce qu'il faudra prévoir des moyens d'accès particuliers comme une nacelle ou l'intervention d'une personne dûment habilitée pour manipuler certains équipements? Une fois que cette récolte documentaire a été réalisée, on va procéder donc aux investigations sur site et à ce qu'on appelle l'inventaire de la donnée. C'est-à-dire que le diagnostiqueur, en fait, il va inventorier tout ce qui est d'abord réemployable, tout ce qui est réutilisable, tout ce qui va être recyclé, tout ce qui va être classé comme matériaux dangereux et tout ce qui devra être éliminé. Pour la partie réemploi, tous les matériaux qui seront identifiés comme potentiellement réemployables, puisque là, on est au stade uniquement que d'une idée, en fait, de ce qui pourrait être réemployé, le diagnostiqueur va préciser l'état de conservation, donner des indications sur les précautions de dépose, de transport, de stockage, et donner une estimation financière sur ce que pourrait rapporter les éléments proposés au réemploi. Pour chaque filière, le réemploi, le recyclage ou la valorisation, on va indiquer les organismes les plus proches qui seraient à même donc d'accepter les différents produits, équipements, matériaux ou déchets, sachant que le diagnostiqueur va privilégier les entités les plus proches du lieu du chantier. Et puis, un point qui peut être intéressant également, même si ce n'est pas exigé réglementairement, c'est la localisation sur plan avec des photos de tous les produits, équipements, matériaux qui ont été identifiés comme réemployables. Une fois toutes ces données donc enregistrées, le diagnostiqueur va produire ce qu'on appelle un rapport de diagnostic. Ce rapport de diagnostic, il va être déposé sur la plateforme du CSTB, et à ce rapport de diagnostic va être associé un formulaire CERFA. Ce formulaire CERFA, il va, sous forme de tableau, reprendre en fait les données essentielles qui ont été saisies dans le rapport de diagnostic, que ce soit en termes de réemploi, de réutilisation, de valorisation ou d'élimination. L'établissement de ce CERFA, il est réglementairement à la charge du maître d'ouvrage. Néanmoins, la mission d'établissement de ce CERFA, elle peut être déléguée au diagnostiqueur. Il y a juste une manipulation à faire donc sur la plateforme du CSTB pour désigner la personne à qui le maître d'ouvrage va déléguer l'établissement du CERFA. Il y a un deuxième CERFA qu'on appelle le CERFA de récollement. Ce CERFA de récollement, il est établi 90 jours après la fin des travaux. Ce CERFA de récollement, il va donner la vision exacte de ce qui a été réalisé sur le chantier. Comme je vous le disais, au stade du diagnostic PMMD, le diagnostiqueur, il va juste donner des potentiels de réemploi. Le CERFA de récollement va lui préciser ce qui a été réellement réemployé, en quelle quantité, vers quelle filière ça a été orienté. Même chose pour ce qui a été réutilisé, recyclé et valorisé. Donc, c'est vraiment la photo à l'instant T de ce qui a été fait réellement pendant la durée du chantier.
Alors, bien sûr, cette phase de récolement peut également être déléguée au diagnostiqueur, mais elle suppose que le diagnostiqueur ait bien tous les éléments qui lui soient transmis pour réaliser ce CERFA de récolement, notamment l'identification de toutes les filières auprès de qui ont été envoyés tel ou tel matériau de réemploi, les quantités exactes de ce qui a été envoyé en plateforme de valorisation, etc. Donc, idéalement, sur des chantiers d'envergure, cela supposerait carrément une mission de suivi de chantier. Voilà, je laisse la parole à Cassandre sur le point 2 pour les points clés pour réussir le diagnostic PMD. Donc voilà, on vous a mis quelques points clés pour réussir son diagnostic PMD. On espère que ça pourra vous aider quand vous en aurez. Donc le premier, Christine en a déjà bien parlé, c'est d'anticiper la réalisation des diagnostics immobiliers, l'amiante, le plomb, et de les faire en amont du diagnostic PMD. Donc on a parlé des bâtiments qui dataient d'avant 97, donc qui nécessitent un diagnostic amiante. Voilà, le but c'est de les réaliser avant parce que nous, quand on va faire le diagnostic PEMD, pour mémoire, PEMD c'est produits, équipements, matériaux, déchets. On va quantifier tout ce qui est déchets. Et dans les déchets, vous le savez, il y a des déchets qui peuvent être dangereux, donc l'amiante, le plomb notamment. Donc en fait, si on n'a pas ces diagnostics, eh ben on n'a pas de quoi estimer les quantités de déchets contenant de l'amiante, par exemple. Donc ça, c'est un premier point, bien anticiper la réalisation des diagnostics pour que nous, quand on fait le diagnostic PEMD, on ait tous les éléments en main pour le réaliser. Quand on parle notamment de diagnostic amiante, il faut que ce soit les rapports, entre guillemets, finaux. Le pré-rapport, on sait que ça veut dire qu'il y a des locaux qui n'ont potentiellement pas été visités. Donc nous, ce sera aussi un rapport PEMD avec des réserves parce que, il y aura des locaux non visités et potentiellement des matériaux contenant de l'amiante qui n'auront pas été repérés. Le deuxième point, c'est de faciliter l'accès aux locaux. Au même titre que les autres diagnostics, on a besoin d'aller dans l'ensemble des locaux. Donc, c'est quelque chose qu'on va voir aussi sur notre témoignage fait par Géraldine. Il peut y avoir des bâtiments qui sont plus ou moins complexes. Donc, voilà, vérifier qu'on a bien l'accès à tous les locaux pour que le diagnostic se fasse le plus facilement possible. Et pareil, qu'on n'ait pas de réserve parce que on n'a pas pu visiter tel ou tel local. Et le dernier point, c'est pour les maîtres d'ouvrage, c'est d'avoir le réflexe diagnostic PEMD. On sait que c'est un nouveau diagnostic, ça fait un an qu'il est là. On voit il peut souvent être oublié. Quand vous pensez amiante plomb, pensez diagnostic PEMD et demandez à votre diagnostiqueur de vous orienter. Il saura vous dire si vous êtes concerné ou pas sur ce diagnostic-là, mais ne l'oubliez pas. Parce que c'est quelque chose qui est réglementairement obligatoire, hein, quand on l'a vu avec Christine sur certains types de bâtiments. Aujourd'hui, il y a des sanctions qui peuvent être mises en place. Jusqu'ici, il n'y avait pas de contrôle. Le contrôle va être renforcé et vont être faits en 2025, parce que justement, on sent un démarrage un peu trop lent, donc on sait qu'il y a des bâtiments qui passent à la trappe. Donc c'est à l'initiative de la DHUP que ces contrôles vont être renforcés. Il vaut mieux éviter parce que les sanctions sont pas très cool. On parle quand même de 45 000 euros d'amende et de 6 mois d'emprisonnement en cas de récidive. Donc voilà, ayez ce réflexe diagnostic PEMD, ce serait dommage d'être sanctionné. Le troisième point, c'est la clarification des idées reçues. On a répertorié plusieurs idées reçues qu'on a vues notamment passer aussi dans les questions dans le chat. Donc on les a mis en avant et on va y répondre. Donc la première, c'est le diagnostic PEMD équivaut à l'ancien diagnostic ressource. Donc ce diagnostic ressource, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler, on en a beaucoup entendu parler et encore aujourd'hui, on en entend parler. Il a été créé dans l'entre-deux, quand on était entre le diagnostic déchet et le diagnostic PEMD. On a attendu les textes pendant pas mal de temps et du coup, au milieu, il y a ce diagnostic ressource qui a été créé. Et qui avait pour but de mettre en avant le potentiel réemploi qu'on pouvait avoir sur les sites. Aujourd'hui, ce diagnostic ressources, il n'est pas réglementaire. On y met un peu ce qu'on veut dedans, mais voilà, il n'est pas du tout réglementaire. Le diagnostic qui est réglementaire, c'est bien le diagnostic PEMD.
Donc ça, c'est la première idée reçue. La deuxième, j'ai l'obligation de réemployer les produits listés dans le diagnostic PEMD. Alors non, le diagnostic PEMD, on vous met en avant le potentiel réemploi de votre site. Mais ça ne veut pas dire que parce que vous avez du potentiel réemploi sur votre site, vous devez absolument réemployer. On peut vous faire une très grande liste. Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez très bien prendre la page de réemploi et la mettre à la poubelle. Ce qui est très dommage, parce qu'en plus, ça fait un déchet en plus, donc c'est pas le but. Mais voilà, il y a tout ce qui est estimé en potentiel réemploi, c'est à titre indicatif, et il y a un double comptage qui est fait. Quand on vous met quelque chose avec un potentiel réemploi, il est quand même compté en déchet, parce qu'on sait que vous n'avez pas l'obligation de le réemployer et qu'il va potentiellement partir à la benne. Troisième idée reçue, effectuer un diagnostic PEMD permet également d'effectuer les diagnostics immobiliers avant travaux et avant démolition. Alors non, attention, le diagnostic PEMD n'est pas un diagnostic amiante ou un diagnostic plomb. C'est vraiment que le diagnostic PEMD. Donc, quand vous consultez les diagnostiqueurs, faites bien attention d'avoir l'ensemble des diagnostics qui peuvent être réalisés par la même personne ou pas, enfin par le même diagnostiqueur ou pas. Mais voilà, on ne va pas repérer l'amiante ou le plomb dans un diagnostic PEMD. On va se baser sur ces diagnostics-là. Ensuite, idée reçue suivante. Je ne suis pas obligée de faire un diagnostic PEMD si mon bâtiment est vieux et que je n'ai pas de réemploi. C'est faux aussi. C'est pas parce que vous avez un vieux bâtiment ou qu'il est complètement dégradé que vous estimez qu'il n'y a pas du tout de réemploi que vous ne faites pas ce diagnostic. C'est un diagnostic réglementaire. On redonne ce que veut dire PEMD, c'est produits, équipements, matériaux, déchets. N'oubliez pas le D. On estime la quantité de déchets. Donc, même s'il n'y a pas du tout de réemploi dans le bâtiment, on va quand même vous faire un quantitatif de tout ce qui est déchets. Et la dernière idée reçue qu'on a répertoriée, seuls les bâtiments bâtis sont concernés par le diagnostic PEMD. Alors, effectivement, seuls les immeubles bâtis sont concernés. Christine nous a donné avant la définition et le périmètre des bâtiments concernés. Et là-dessus, Christine, tu as une précision à nous apporter. Alors, effectivement, réglementairement, le diagnostic PEMD ne concerne que les immeubles bâtis. On a certains de nos clients industriels qui nous ont demandé, est-ce que je peux faire un diagnostic PEMD sur mes process, mes équipements industriels? Alors, oui, dans le cadre d'une démarche volontaire, en tout cas, il n'y a rien qui ne l'interdit. Si ce n'est que il n'y a pas de contexte réglementaire pour encadrer un diagnostic PEMD qui serait réalisé sur des installations industrielles. Alors, un diagnostiqueur pourrait s'inspirer de ce qui est prévu dans le diagnostic PEMD immeuble bâti. Néanmoins, il y a une grande marge de manœuvre sur ce qui pourrait être proposé au réemploi, etc., puisqu'on est dans un contexte tout à fait différent. Mais oui, pourquoi pas, dans un cadre volontaire, on pourrait envisager un diagnostic PEMD sur des installations industrielles, mais hors contexte réglementaire. Merci Christine. Et donc, précisez-le bien aussi quand vous consultez votre diagnostiqueur, si vous voulez l'intégrer, de bien le préciser au moment de la consultation. Donc ça, c'était nos idées reçues, celles qu'on a répertoriées. On espère que ça vous aidera aussi dans vos projets. Et maintenant, on a un témoin, donc c'est Logis Evenol, et on a demandé à Géraldine pourquoi et comment Logis Evenol a réalisé un diagnostic PEMD. Oui, alors, rebonjour à tous et à toutes. Voilà, alors moi je prends la parole aujourd'hui pour parler de notre petite expérience de réalisation de diagnostic PEMD que nous avons réalisé au sein de la structure. Alors, je travaille pour Logis Evenol, c'est un bailleur social OPH Alès Agglomération. Nous sommes basés sur la ville d'Alès et nous avons des logements un peu dans tout le département du Gard. Nous gérons un peu plus de 6000 logements. Je veux parler aujourd'hui d'une opération un peu spécifique traité dans le cadre du NPNRU, des travaux de démolition donc dans un quartier des Prés-Saint-Jean à l'Est. Alors ce quartier a la spécificité d'être en zone donc sensible, avec une cité scolaire très importante. On a un grand lycée, deux collèges, des écoles et les logements sociaux qui sont donc sur le même quartier.
et des gros problèmes de trafic de drogue sur ce quartier qui se sont accentués sur les dernières années. Donc le projet de PNRU initial était déjà prévu sur le quartier pour une restructuration du quartier, mais le problème de drogue a un peu modifié le cours des choses et on est parti sur des démolitions un peu plus importantes. Donc nous avons prévu de démolir carrément une barre de bâtiment, une des tours qui est au milieu des deux autres, et de faire une percée au milieu de la grande barre qui est un peu plus à droite sur l'image. Ceci enfin d'ouvrir le quartier un peu et de permettre d'avoir une meilleure visibilité et d'aérer le quartier pour les habitants. En faisant cette percée, on fait communiquer la cité scolaire et le site de sport avec une salle d'escalade qui est sur l'arrière. Donc nous avons commencé ce projet il y a assez longtemps, c'est en 2020 que le projet a débuté, parce que nous sommes sur un projet en PNRU, donc les délais sont toujours un peu plus longs que sur d'autres projets. Et quand nous avons démarré le projet, nous n'étions pas donc soumis au diagnostic PEMD. Les études ont commencé à se dérouler et arrivées en fin 2023, début 2024, s'est posé la question de ce que nous allions faire avec la démolition, et nous avons décidé d'avoir une démarche volontaire et de faire des diagnostics PEMD pour lancer la structure dans une démarche de réemploi, de revalorisation des déchets et partir de ce projet pour démarrer une procédure interne sur la revalorisation et de mettre toutes les équipes en mouvement là-dessus. Donc nous avons consulté pour faire un diagnostic PEMD. Nous avons donc pris le cabinet à Pave et j'ai réalisé les diagnostics avec Cassandre. Sauf que, comme vous pouvez le voir un peu sur les photos, mais pas trop, les bâtiments, entre le moment où on a décidé de faire le diagnostic, quand on a commencé à faire passer les autres diagnostiqueurs, les bâtiments étaient terriblement dégradés. Il y a eu du squat, du feu, ils se sont fait brûler les cages. Donc les bâtiments, quand nous sommes passés pour les diagnostics PEMD, étaient vraiment très abîmés, très dégradés. Toutefois, quand nous sommes rentrés dedans, ça m'a permis moi de comprendre que même un bâtiment très dégradé et très abîmé, il y avait quand même du potentiel de tri et de revalorisation des déchets que l'on n'aurait peut-être pas vu sans ce diagnostic-là. Le diagnostiqueur, lui, il a un œil différent, il a une connaissance des déchets que nous n'avons pas et ça nous a permis de faire un tri et de faire des consultations pour les entreprises, des CCTP qui étaient plus basées sur le tri. On a pu faire des critères de choix d'entreprise aussi qui sont plus cohérents avec la volonté de l'organisme de passer sur une démarche plus verte, si on peut parler comme ça, sur nos démolitions. Donc, il y a deux points que moi je voulais quand même dire, c'est que ces bâtiments sont des immeubles qui sont assez hauts, assez complexes, et on a dû faire passer plusieurs fois les diagnostiqueurs amiante, plomb et termite, parce que la première fois, les commerces au rez-de-chaussée, il y en avait un qui n'était pas ouvert, un coup c'était l'accès en toiture qui n'était pas possible, et du coup ça a décalé le passage de Cassandre pour les diagnostics PEMD aussi. Donc ça, il faut vraiment l'anticiper vraiment en avant, et vraiment avoir toutes les clés. On croit toujours qu'on a l'accès partout, mais c'est une fois sur site qu'on se rend compte que non, mais en fait, il y avait bien un commerce fermé, on pensait, voilà. Donc ça, c'est vraiment un point qu'il faut que vous ayez en tête. De cet accès est quand même très important et il faut penser à faire passer tous les diagnostiqueurs avant, termite compris, donc amiante, plomb et termite. C'est quand même très intéressant. Et moi, ce que je retiens surtout de cette collaboration avec Cassandre, c'est que on a pu échanger sur site, sur l'état du bâtiment, sur les déchets, sur ce qui pouvait être fait plus tard. Et c'est quand même très, très instructif et très intéressant. Nous, nous allons continuer à faire les diagnostics PEMD sur nos démolitions et nos grosses réhabilitations. Et nous sommes lancés dans un partenariat sur la ville d'Alès avec la création, on l'espère, d'une matériothèque pour pouvoir à terme stocker le sanitaire, les portes, les fenêtres qui seront enlevées dans les réhabilitations et qui pourraient être réutilisées. Actuellement, nous avons un problème de stockage, ce qui freine un peu
notre travail. Bon, là, c'est vrai que l'exemple que l'on prend, il n'est pas très bien sur le réemploi parce que le bâtiment a vraiment été trop abîmé et on ne peut rien réemployer. Si je passe à la slide suivante, je vais redonner la main à Cassandre pour expliquer un peu les chiffres. Mais voilà, on voit bien qu'il n'y avait pas possible de réemploi sur ces bâtiments. Mais je pense que Géraldine, c'est un très bon résumé de ce bâtiment. Typiquement, dans les idées reçues qu'on avait, où on parlait de quand on n'a pas de réemploi, est-ce qu'il faut quand même faire ce diagnostic PEMD? Oui, il faut le faire. Là, on n'en avait pas beaucoup et c'est vrai que l'intervention était compliquée. Mais voilà, on a quand même de la valorisation qui est possible, hein, parce que y a une structure béton qui va pouvoir être recyclée ou on va pouvoir valoriser cette matière. Donc, on voit que là, on a quand même 36,68% de valorisation 3R. Donc, 3R, c'était réemploi, réutilisation, recyclage. Donc là, ça va partir en recyclage. Et on a 69% de valorisation matière. Donc, c'est vrai que on a estimé 0% de réemploi parce que voilà, il n'y en avait pas du tout. Les bâtiments avaient été très abîmés. Il y en avait qui avaient pris feu, squattés. Mais voilà, cette évaluation du tonnage de déchets. Et dans le diagnostic, on va répartir aussi les déchets en fonction inerte, non inerte. On oriente, c'est-à-dire qu'on met en avant les plateformes qui sont locales et qui peuvent récupérer tel ou tel type de déchets. Donc, ce diagnostic, il vous permet aussi de savoir que, voilà, malgré qu'il n'y ait pas de réemploi, le déchet peut être valorisé. Et c'est important de revaloriser ces déchets et de ne pas faire tout partir dans une seule benne parce qu'il y a d'autres réglementations qui arrivent à la suite et qui vont vous obliger aussi à trier tous ces déchets. Ouais, moi, si je peux juste rajouter un mot, c'est sûr que ce document, nous, il nous a beaucoup aidé pour les pièces marché, pour consulter les entreprises. Parce que là, on avait réellement un document, des pourcentages de déchets. Donc, on peut aiguiller quand on analyse les offres des entreprises, on peut choisir réellement une entreprise qui va faire en sorte d'avoir les bennes qui vont bien et de trier le plus possible pour essayer que l'empreinte de la démolition soit quand même minimisée par rapport à une démolition classique où tout partait en DIB. Voilà, exactement. Merci Géraldine. Donc on a un nouveau petit questionnaire pour vous. Donc avez-vous prochainement des projets de démolition, de rénovation signifique de bâtiments? Donc je vous invite à aller dans l'onglet sondage et vous avez le sondage qui vient d'être lancé. Donc, si vous voulez aller voter dessus, on voit déjà, enfin, dans les résultats, on voit qu'il y en a qui approchent. Donc, forcément, hein, on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bâtiments qui vont être rénovés, notamment avec les rénovations énergétiques. Quand vous faites un audit énergétique, souvent, on a les menuiseries et un autre lot qui vont être modifiés et ça peut amener un diagnostic PEMD. Ça fait partie des bâtiments qui peuvent être concernés. Donc voilà, au niveau du sondage, oui, on voit que il y a des bâtiments qui arrivent dans les 6 mois ou un an à venir et qui vont être soit démolis, soit faire l'objet d'une rénovation significative. Alors, ensuite, on va parler des bénéfices de la mise en place d'une démarche de réemploi. Parce que là, on a beaucoup parlé déchets. C'est vrai que ça fait partie d'un chantier de démolition, les déchets. Mais voilà, quand vous avez du réemploi, quels sont les bénéfices du réemploi? Le premier point, c'est l'abattement significatif des émissions de CO2. Forcément, quand on réemploie un matériau ou un produit, on prend le produit et on n'y touche presque pas. On va peut-être le revernir un peu ou le réparer un petit peu, mais on va pas toucher la matière en elle-même. Donc forcément, l'empreinte carbone, elle est très faible. On va avoir un petit peu de transport aussi possible, mais voilà, on reste sur quelque chose qui est négligeable comparé à du neuf. La préservation de la matière, forcément, je viens de le dire, on garde un maximum de matière intacte, donc on a ça en moins. La diminution des quantités d'élimination des déchets, le réemploi, c'est on ne passe pas le statut de déchet. Donc, forcément, c'est ça de moins dans la benne et c'est ça de moins qu'on va devoir trier ou enfouir, encore pire, c'est quelque chose qui reste dans le circuit. C'est la participation à la création de nouvelles filières de déconstruction, de réemploi, de réutilisation et de recyclage. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, des nouvelles filières. Géraldine vient de nous dire que sur la ville d'Alès, c'était un travail qui était en cours, la création d'une plateforme.
ça fait des nouveaux métiers, ça fait la création d'emplois. Donc oui, ces filières, c'est quelque chose qui est nouveau et qui est en train de se mettre en place. Et tout ce qui est recyclage et déconstruction, on va être concerné aussi par la responsabilité élargie du producteur qui met en place aussi des points de collecte. C'est l'anticipation des exigences réglementaires, avantages techniques et concurrentiels, et notamment le point carbone de la RE 2020. La RE 2020, c'est la réglementation environnementale 2020. Donc on sait qu'elle est en place pour un certain type de bâtiment et elle a des seuils qui sont en train d'arriver, hein, 2025-2030, avec des seuils carbone qui vont être de plus en plus durs à atteindre. Donc, quand on est en RE 2020, on a une analyse de cycle de vie à faire, donc une ACV. Et en fait, dans l'idée, c'est le poids carbone du bâtiment. Donc, à chaque fois qu'on va ajouter un matériau, on va ajouter son poids carbone. Donc, par exemple, dans des logements, si j'ai 15 WC, c'est mon poids carbone fois le nombre de WC. Aujourd'hui, si on prend un matériau issu du réemploi, on a une empreinte carbone neutre. Donc, ça veut dire que j'aurai mes 15 WC avec un poids carbone égal à zéro. Donc, c'est quand même non négligeable avec les seuils qui arrivent. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est pareil sur tout ce qui est biosourcé et géosourcé, les matériaux bio-géosourcés, où on aurait une empreinte carbone faible, voire neutre ou négative sur les matériaux. Donc, c'est des choses qu'il faut envisager dans vos constructions neuves, parce que pour atteindre ces seuils, ce sera plus simple avec ces matériaux-là. On a la réalisation de projets exemplaires répondant aux exigences de la transition énergétique et environnementale. Forcément, on est en plein dedans, hein, récupération de matériaux, réemploi. On est vraiment dans tout ce qui est transition énergétique et environnementale. Et tout ce qui est bénéfices collatéraux, donc solidarité sociale et économique. On l'a vu tout à l'heure avec la création de nouvelles filières. On crée de nouveaux métiers, on a de nouveaux postes parce que toutes ces plateformes de réemploi, il faut du monde hein, pour aller chercher les matériaux, pour trier les matériaux, les stocker. Donc ça fait un volet social qui est en train de se développer et forcément économique qui va suivre derrière. Et évidemment, la création de valeur avec un sujet qui est très intéressant et qui est en plein développement. On a un nouveau sondage, donc je vous invite à retourner encore dans l'onglet sondage. Avez-vous l'intention d'utiliser le diagnostic PEMD de manière volontaire afin de promouvoir le réemploi dans les futures opérations? Donc c'est vrai que ça c'est intéressant parce que le réemploi, comme je vous le disais, dans la RE 2020, hein, ça va être valorisé. Et dans vos réponses, on sent bien que vous l'avez bien compris, parce qu'on a une grande majorité de oui. Donc c'est chouette, parce qu'il y a un an, on n'avait pas forcément autant de oui. Donc c'est bien que tout le monde prenne conscience que ce diagnostic est quand même intéressant et nécessaire dans certaines situations, et puis intéressant à utiliser, même s'il n'est pas fait de façon obligatoire. Et donc c'est terminé pour nous, et je vais laisser Noémie reprendre la main. Merci Cassandre, merci Christine, merci Géraldine. On touche à la fin, mais je vois qu'il y a plein de questions, donc ça tombe bien. On a encore un petit quart d'heure. Avant d'aborder les questions-réponses, je vous l'évoquais lors du sommaire. On a un webinaire à venir qui est le 15 octobre. Donc on vous a indiqué le QR code si vous souhaitez vous inscrire. Pardon. Il y a des jalons. Qui arrivent, de nouveaux jalons qui arrivent dès l'année prochaine, donc année 2025, qui sont bien plus contraignants que ceux que vous avez pu avoir depuis 2022. Donc on va faire le point sur ces seuils et également, comme on l'a fait dans ce webinaire, on va vous donner des points clés pour avoir une attestation RE 2020 conforme. Également, on va évoquer les conséquences en cas d'irrégularité. Et nous aurons le témoignage d'un maître d'ouvrage et d'un bureau d'études thermiques. Voilà, donc n'hésitez pas à scanner le QR code si vous souhaitez vous inscrire. Vous l'aurez aussi le lien avec le mail d'envoi du replay après le webinaire. Également, je voulais faire la lumière sur un guide que nous avons rédigé, donc un guide sur l'économie circulaire. J'ai mis quelques mots-clés, loi AGEC, REP, ACV, éco-conception, matériaux bio et géosourcés. Voilà, c'est un guide très fourni que vous pouvez télécharger gratuitement
également sur notre site internet, le QR code. Pareil, le lien sera dans le mail d'envoi du replay. Voilà, ça va vous permettre de refaire le point sur le diagnostic PEMD et d'avoir une vision un peu plus large de tout ce qui l'entoure. Place aux questions-réponses, il y en a eu pas mal, donc je vous le disais, on va faire notre maximum pour y répondre. Si nous n'avons pas le temps, nous ferons un message à l'ensemble des participants et nous répondrons aux questions qui n'auront pas eu le temps d'avoir été traitées. Je commence par la première. Bonjour, un bâtiment agricole doit-il nécessairement faire l'objet d'un diagnostic PEMD sans seuil de surface? Pardon. Alors, la condition, c'est qu'il est accueilli, fabriqué, utilisé, etc., des substances dangereuses. Et là, effectivement, il n'y a plus de seuil de surface. Alors, la définition de la substance dangereuse, elle est donnée par le Code du travail, hein, dans l'article LR4411-6. Vous allez trouver dans la liste des substances dangereuses tout ce qui est cancérigène, mutagène, reprotoxique, explosif, inflammable, également toxique pour l'environnement. Donc, si le bâtiment agricole a utilisé, stocké ce type de substances dangereuses, il devra faire l'objet d'un diagnostic PEMD, et ce, même s'il a une surface inférieure à 1000 m². Merci Christine. Je descends, on va les faire dans l'ordre d'arrivée. La surface cumulée, donc les fameuses 1000 m², les fameux 1000 m², la surface cumulée est donc liée à l'unité foncière. Alors, si sur la parcelle, vous avez plusieurs bâtiments, mais que la surface cumulée de plancher de l'ensemble de ces bâtiments est supérieure à 1000 m², il faudra faire un diagnostic PEMD. Une autre question, le diagnostic PEMD est-il obligatoire pour les bâtiments de logement collectif supérieurs à 1000 m². Oui, en cas de démolition ou de rénovation significative. Oui. En tant que maître d'ouvrage, doit-on réaliser le diagnostic PEMD avant la consultation de la maîtrise d'œuvre dans le cadre des marchés publics? Alors, moi, si je peux donner mon point de vue de maître d'ouvrage à ce sujet, je dirais non. Enfin, je pense que quand l'équipe de maîtrise d'œuvre est là, on peut le faire avec eux. Donc, avant, je pense pas que ce soit. C'est l'équipe de maîtrise d'œuvre, la plupart du temps, qui va vous aider dans l'établissement du. Enfin, tout dépend comment vous êtes programmé pour l'établissement du permis de démolir ou permis pour les grosses réhab. Donc, je pense que le PEMD doit être fait en accord avec eux. Donc, c'est avant le dépôt de l'autorisation d'urbanisme, mais pas obligatoirement du maître d'œuvre. Merci Géraldine. Une autre question. Le diagnostic PEMD doit être fait après le diagnostic amianté plomb? Alors, oui. Oui, oui. Trois fois oui. Pourquoi? Parce que dans le diagnostic PEMD, on demande au diagnostiqueur d'identifier les déchets dangereux. Si ces diagnostics ne sont pas faits, forcément, il y aura des zones d'incertitude dans le diagnostic PEMD sur la présence ou non de ces déchets dangereux, puisque l'amiante et plomb donc sont considérés comme des déchets dangereux. Alors, sur le plomb, il y a quelques discussions actuellement, mais l'amiante, en tout cas, c'est sûr. La deuxième chose, c'est que le diagnostiqueur, il peut être amené à réaliser des sondages. C'est-à-dire qu'il va vérifier sur un mur ce qu'il y a derrière le doublage, etc. Donc, il pourrait être amené à faire ce qu'on appelle des investigations destructives. Et pour ne pas se mettre en danger, il faut être sûr que là où il va réaliser un percement, par exemple, eh ben, il n'y ait pas de support qui puisse contenir des fibres d'amiante. Donc, oui, il est fortement conseillé d'avoir des diagnostics amiante plomb finalisés et non pas au stade des pré-rapports avant de faire le diagnostic PEMD.
Une autre question, quelle est votre préconisation sur l'entité qui doit réaliser le CERFA de récollement? Alors, réglementairement, l'établissement du CERFA de récollement, il est mis à la charge du maître d'ouvrage. Néanmoins, ça peut être un exercice pas forcément facile puisqu'il va devoir reprendre les données d'un diagnostic PEMD pour les intégrer donc dans ce CERFA de récollement. L'avantage de déléguer cette mission-là au diagnostiqueur, c'est que dans 90% des cas, le diagnostiqueur, il a les outils qui lui permettent de faire plus facilement l'intégration. Ah, pardon, c'est le CERFA de récollement, j'étais sur le CERFA diagnostic. Autant pour moi. Oui, alors, oui, récollement. Alors, l'entité qui doit réaliser le CERFA de récollement. Alors, ça ne peut pas être quelqu'un qui est en lien avec l'opération de travaux. Donc, ça ne peut pas être l'entreprise de travaux. Il faut qu'il y ait un lien d'impartialité. Donc, soit le maître d'ouvrage le fait lui-même, mais là aussi, ça peut être un exercice difficile parce qu'il va falloir qu'il récupère tous les bordereaux de suivi de déchets, les certificats de cession, si des matériaux de réemploi ont été cédés à différentes entités, etc. Donc, c'est pas forcément un exercice facile. Ça peut être confié au diagnostiqueur qui a réalisé le diagnostic PMD au départ. Mais là aussi, il faudra que ce diagnostiqueur, il ait communication au fur et à mesure de tous les documents, etc., qui vont lui permettre de faire ce CERFA de récollement. Ou alors, ça peut être aussi confié à un assistant maître d'ouvrage qui pourra faire, lui, tout le suivi de chantier et établir le CERFA de récollement. Cassandre, je ne sais pas si tu veux compléter. Non, non, c'est vrai que c'est un diagnostic, enfin c'est un CERFA qui est compliqué à compléter parce que voilà, on sait que c'est compliqué de récupérer tout ce qui est bordereau de suivi de déchets et autres. Si tout est bien organisé, que tout le monde est bien sensibilisé au sujet, c'est moins compliqué, mais voilà, c'est vrai que on peut le faire si toutes les équipes autour de la déconstruction sont et ou de la rénovation sont bien là et bien sensibilisées au sujet. Merci. On continue les questions, mais juste pour info, on vous a publié un nouveau sondage. Si vous souhaitez être recontacté en direct par Cassandre et Christine, n'hésitez pas à répondre oui. On a vos coordonnées et on vous recontactera en direct à la suite du webinaire. Donc, dans l'onglet sondage, toujours. Une autre question. La temporalité entre la réalisation du CERFA diagnostic et celle du CERFA de récollement peut-elle nous amener à ne pas avoir le même diagnostiqueur sur ces deux phases? Ah oui, absolument. Pour une question, effectivement, de temporalité, il suffit que le diagnostiqueur qui a réalisé le CERFA diagnostic, il est démissionné, il est pris sa retraite, il soit en arrêt maladie, etc. Il y a énormément de circonstances qui peuvent faire qu'effectivement, il peut ne pas y avoir la même personne sur ces deux CERFA. Alors, d'ailleurs, idéalement, surtout si les travaux se terminent longtemps après la réalisation du diagnostic PMD, le diagnostiqueur qui l'a réalisé a peut-être plus d'ailleurs la vision de ce qu'il avait fait à l'époque. Donc ça aussi, ça peut être une des raisons pour lesquelles il serait même parfois judicieux d'avoir une autre personne. Mais effectivement, il n'y a pas d'obligation que ce soit la même personne. Merci Christine. Une question. Pour un bâtiment de logement en réhabilitation sur lequel on change menuiserie, cloison et chauffage, est-ce qu'on doit faire le diagnostic PEMD? Alors, si le bâtiment fait plus de 1000 mètres carrés et que vous changez plus de la moitié de ces éléments de seconde œuvre, donc les menuiseries et votre installation de chauffage, oui, vous devrez faire un diagnostic PEMD. Je reprends le micro. Une autre question. Le diagnostic PEMD peut-il cibler uniquement les éléments fenêtres, portes, palières sur lesquels nous avons prévu des travaux dans le cas d'une réhabilitation?
Alors, toujours le point de départ, le bâtiment fait-il plus de 1000 mètres carrés? Et puis là, vous n'êtes pas dans le cadre d'une rénovation significative puisque vous n'avez qu'un seul élément de seconde œuvre. Donc, dans ce cas-là, s'il n'y a que les fenêtres et les portes, vous ne serez pas soumis au PMD puisque la condition, c'est bâtiment de plus de 1000 mètres carrés et le remplacement de plus de la moitié de deux éléments de seconde œuvre. Une autre question. Doit-on faire un diagnostic PEMD si on détruit les serres? Alors, la serre est considérée comme, comme un immeuble bâti. Hein, même par un, de mémoire, c'est un immeuble par, par destination. Et dans ce cas-là, si votre serre fait plus de 1000 m², oui, il faudra faire un diagnostic PEMD. Un maître d'ouvrage public peut-il intégrer la réalisation du diagnostic PEMD dans les missions du marché du maître d'œuvre? Alors, cette question a été posée sur le site du CSTB, puisque si vous avez d'autres questions, vous pouvez consulter la foire aux questions qui est donc sur le site du CSTB. Et il a été clairement précisé que le maître d'ouvrage donc doit faire appel à un professionnel de la construction qui est assuré pour ce type de mission et qui n'a aucun lien avec le maître d'ouvrage et ni aucune entreprise susceptible d'effectuer toute partie des travaux. En conséquence, le maître d'ouvrage ne peut pas demander à son maître d'œuvre de réaliser le diagnostic PEMD. C'est forcément une autre entité qui va le réaliser. Pour information, vous pouvez aller dans l'onglet sondage. Vous pouvez répondre si vous souhaitez la présentation. Donc, n'hésitez pas à cocher oui. On aura comme ça vos coordonnées pour vous la renvoyer. Et un autre sondage sur... sur la qualité de ce webinaire, savoir si le webinaire a répondu à vos questions. Une autre question. Pourquoi le législateur nous oblige de réaliser le diagnostic PEMD s'il ne nous oblige pas à réaliser le réemploi et la réutilisation? Alors, comme l'a dit Cassandre, dans PEMD, il y a aussi le D. Et le D, c'est la partie déchets. Donc, l'objectif, c'est de réduire le déchet. Donc, effectivement, peut-être qu'on ne pourra pas réemployer, peut-être qu'on ne pourra pas réutiliser. Mais en tout cas, il faudra s'efforcer de passer alors par la case recyclage ou valorisation, puisque le but, c'est d'éliminer l'élimination. Donc, effectivement, peut-être que dans certains bâtiments, il n'y aura pas de possibilité ni de réemploi, ni de réutilisation. Et je pense que c'est l'exemple d'ailleurs qu'a donné Géraldine, c'est-à-dire que dans leur cas, il n'y avait pas de réemploi ni de réutilisation possible en raison de l'état des bâtiments. Néanmoins, ils ont pu répondre à leurs obligations réglementaires en accordant une grosse part donc au recyclage notamment et à la valorisation matière en l'occurrence. Et je pense que ça répond également à la question suivante. Pourquoi faire un diag PMD si on ne remploie pas les produits déchets? Par définition, le déchet ne sera pas réemployable, mais il pourra être au moins recyclé ou valorisé. Parfait. Une question. Peut-on ou doit-on mettre à jour un diagnostic PEMD au long de la conception et de la réalisation, DIAG, APS, APD, Pro, Chantier, afin de ne pas avoir des différences difficiles à expliquer a posteriori entre le DIAG et le récollement? Alors, il n'y a pas de... Le DIAG PEMD ne fait pas de suivi de chantier, ne va pas suivre le chantier. C'est-à-dire que le DIAG PEMD, il va donner l'image à l'instant T, avant le démarrage du chantier, de ce qui peut être réemployé, réutilisé, recyclé, etc. Il ne va pas être mis à jour au fur et à mesure de réalisation de chantier. Les seuls cas où on pourrait envisager une mise à jour du diagnostic PEMD, c'est par exemple lorsqu'on nous fournit des diags amiante ou plomb qui n'ont pas été finalisés, tout simplement parce que sans vouloir rentrer dans la complexité des diagnostics amiantes, le diagnostic amiante il peut faire l'objet
de pré-rapports et de rapports qui vont suivre le chantier, parce que certaines zones ne seront accessibles qu'en cours de travaux. Donc là, effectivement, on pourra envisager des mises à jour du diagnostic PMD au fur et à mesure, on va dire, de l'avancement du diagnostic amiante ou du diagnostic plomb. Par contre, une fois que le rapport est finalisé, il ne sera pas mis à jour au fur et à mesure du chantier. C'est pas l'objectif de la mission. Et effectivement, il pourra y avoir des écarts plus ou moins importants par rapport au formulaire de récollement. Parce que, comme on l'a dit, ce n'est qu'une image et qu'une estimation de potentiel de réemploi, de réutilisation et de recyclage. Peut-être qu'au moment où le chantier va être réalisé, eh ben, on va s'apercevoir que on ne pourra pas réemployer tel ou tel PM et tout compte fait au niveau recyclage en raison de la qualité ou comment dirais-je de la complexité d'un matériau, on ne pourra pas le recycler comme on l'avait envisagé dans le PMD. Donc effectivement, il va y avoir vraisemblablement des écarts entre le CERFA du diagnostic et le CERFA du récollement, mais ça, je veux dire, ce sont des impondérables. Il est déjà midi. Écoutez, on va prendre encore deux questions. Qui peut assurer l'AMO pour remplir le CERFA de récollement? Alors, Cassandre, ça, c'est toi qui peux. En fait, le diagnostiqueur pourrait réaliser l'AMO. Ce qui est important, c'est de sensibiliser toutes les équipes du chantier, parce que aujourd'hui, c'est quelque chose qui est déjà obligatoire, hein, le suivi des déchets, que ce soit déchets dangereux ou non, on doit assurer la traçabilité de ces déchets. Mais voilà, c'est quelque chose qui est peu connu ou peu fait. Donc déjà, d'informer tout le monde, et ensuite, l'entreprise est censée faire le suivi. Donc après, l'AMO, le diagnostiqueur peut le faire et remplir le CERFA. C'est pareil, en fait, c'est au même titre que la délégation du CERFA de diagnostic. Ça peut être délégué au diagnostiqueur, ça peut être délégué au maître d'œuvre. Donc, les mêmes acteurs que le diagnostic. Il y a une question également sur le coût moyen ou une fourchette pour la réalisation d'un diagnostic PMD. Alors, le coût va dépendre de beaucoup de critères. Et par exemple, il est toujours difficile de donner un coût au mètre carré parce que tout va dépendre déjà de la typologie du bâtiment. Si vous avez un grand hangar qui va faire, admettons, 2000 mètres carrés, on va pas y passer beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que le hangar, eh ben, c'est une coquille. Vous avez les parois, la couverture, etc. Donc le diagnostic PM, il y aura vraisemblablement très peu de matériaux de réemploi. Donc c'est dans ce cas-là, ça va aller très vite. Par contre, à l'inverse, si vous avez un bâtiment même qui ferait en surface, qui serait beaucoup moins important, logement d'habitation, mais que dans chaque logement vous avez des matériaux différents. Des états de conservation différents, etc., ben on va y passer beaucoup plus de temps parce que tous ces points-là vont devoir être détaillés, quantifiés, mesurés, évalués, etc., ce qui fait que on raisonne en termes de temps passé par rapport à une typologie de bâtiment. Comme le disait Cassandre, dans un bâtiment alors je ne sais pas combien de temps tu as passé dans Logis-Sévenol, c'était quand même un grand bâtiment, donc rien que la partie mesurage, puisqu'il faut donner des dimensions, il faut évaluer des quantités, évaluer des poids, même si là, il n'y avait pas beaucoup de matériaux de réemploi, Cassandre y a passé un certain temps quand même. Donc, il est difficile de donner une fourchette parce que tout va dépendre en fait de la typologie du bâtiment, des objectifs aussi du maître d'ouvrage. Si le maître d'ouvrage nous dit moi, le réemploi, ça m'intéresse pas, parce que il n'y a pas d'obligation de réemployer. En fait, c'est comment une démarche vertueuse, en tout cas pour le moment. Donc tout ça, d'où la phase de préparation et de consultation qui est importante, parce que ce sont des questions qu'on va vous poser pour vous faire un chiffrage le plus réaliste possible par rapport au temps qu'on va y passer.
Cassandre, je ne sais pas si tu veux, tu as des exemples à donner là-dessus. Ben, tu as déjà donné pas mal d'exemples, mais c'est vrai que voilà, déjà connaître la typologie du bâtiment, hein, un hangar, un bâtiment de bureau, ben, c'est pas la même chose. Si y a plusieurs niveaux de bureaux dans un bâtiment et qu'il y a les deux premiers niveaux qui sont dans leur jus et par contre les deux niveaux d'après qui ont été complètement rénovés avec que des cloisons neuves, ben, forcément le temps qu'on va passer sur les deux premiers niveaux et les deux d'après ne sont pas les mêmes. Sachez aussi que le temps de visite est long, mais le temps de rapport après est aussi beaucoup plus long que ce qu'on connaissait sur le diagnostic déchet. Mais voilà, l'estimatif du prix comme ça à donner sans avoir d'exemple, c'est beaucoup trop compliqué. Mais n'hésitez pas, par contre, si vous avez un projet en tête, bah, à nous contacter et on vous fera, pour le coup, on peut vous donner un ordre d'idée de prix avec un projet concret. Merci. Il doit rester encore 4-5 questions. Je vois qu'il est déjà 12h05 et nombreux d'entre vous nous ont déjà quittés. On répondra à toutes ces questions. On listera toutes les questions avec les réponses. Un document qu'on partagera avec l'ensemble des gens présents ce matin. On va vous remercier d'avoir passé une heure avec nous. Cassandre, Christine, Géraldine sont disponibles si vous souhaitez les contacter. En début de présentation, il y avait leur adresse mail. Je vous la remettrai également dans un mail où je vous enverrai la présentation. N'hésitez pas à les contacter et bah écoutez que vous fassiez plein de diagnostics PEMD et de réemploi. Très belle journée à vous tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.